L'attaquant de l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder, a été formellement mis en examen pour les chefs d'accusation de V, tentative de V et agression S, concernant des incidents survenus au début du mois de juillet sur la Côte d'Azur, a déclaré le parquet de Nice ce vendredi 11 août. Une enquête judiciaire a été ouverte contre le footballeur international ayant effectué 19 sélections, âgé de 32 ans, qui a été placé sous contrôle judiciaire et a dû verser une caution de 900 000 euros, a précisé le parquet de Nice. Le frère cadet de Wissam Ben Yedder, également impliqué dans cette affaire, a également été mis en examen pour les mêmes accusations. L'enquête est actuellement sous la responsabilité de la police judiciaire de Nice. Les victimes présumées seraient deux jeunes femmes majeures de nationalité française qui ne sont pas originaires de la région niçoise. Les événements auraient eu lieu le 10 juillet lors d'une soirée à Beausoleil, une commune voisine de Monaco, lors de laquelle les frères Ben Yedder auraient imposé des actes S aux victimes. En avril dernier, Wissam Ben Yedder avait été condamné par le tribunal de Séville à 6 mois de prison avec sursis et à une amende de 133 798 euros pour fraude fiscale. L'équipe de la Principauté se rendra à Clermont ce dimanche pour la première journée de la saison de Ligue 1. Il est peu probable que l'international français figure dans le 11 de départ. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à partager, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Moi, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.